Ok les gars, nouvelle boutique du 24 mars 2023. Avant de partir, n'hésite pas, comme d'habitude, à utiliser le code créateur Allen, 3 lettres, 3 secondes. Merci aux personnes qui prennent le temps de le mettre. Donc du coup, maintenant qu'on est 12 heures après la sortie de la map du chapitre 1, on en a parlé justement dans la dernière vidéo ainsi que sur TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt content? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous attendez quand même un petit peu de voir les améliorations qui vont arriver? Le mode créatif 2.0 pour l'instant, ce que vous en avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut être confiant pour la suite? Franchement, j'ai hâte de voir les gars. Franchement, j'ai hâte de voir. On en a parlé, comme je vous disais, dans la dernière vidéo un petit peu plus en détail. Mais du coup, j'aimerais avoir un retour comme ça. Je suis un peu plus de 12 heures après justement la sortie de tout ça. Donc pour la boutique, pour l'instant, rien de spécial. Le skin euro, il était là il y a littéralement 15 jours. Donc, on va le passer très, très rapidement. Hein, ok. Après, on a du coup ce pack qui fait son retour. Donc, on a l'outil de collecte, le revêtement, le deuxième outil de collecte ainsi que les deux skins à l'intérieur. Et du coup, on n'est pas encore à la partie quotidienne. Ok. Ce skin était sorti le jour d'un nouvel an, les gars. C'était le nouvel an de l'année 2020 les gars, si j'ai raison, si ce skin est vraiment sorti le 1er janvier 2020, c'est une dinguerie à quel point j'ai une bonne mémoire, mais j'en suis vraiment plus sûr du tout. Après, ce pack, ok, on l'a connu il n'y a pas si longtemps. Les boutiques, hein, la taille des boutiques, frérot. Hein, c'est pour ça que j'aime bien qu'on fasse, vous savez, là, comme on a fait il y a quelques jours, genre boutique de 2018, veste boutique de 2023, boutique 2018-2019, parce que les boutiques, elles étaient tellement plus courtes. Et pourtant, à l'époque, on s'amusait tout autant, entre guillemets, à acheter des skins. Pour la partie quotidienne, la protectrice écarlate, on enchaîne avec le skin Nvidia. On a du coup ici outil de collecte, potentiellement rare, je sais pas, à vérifier. La danse, douce folie, j'allais dire la danse folie, mais c'est la douce folie. Avant de clôturer le bâton de feu, je me rappelle les gars, cette emote était sortie pendant ma saison préférée. Et enfin, on termine du coup avec la petite danse guimauve qui fait son retour au prix de 200 V-Bucks. On vérifie du coup le pack de Cypher est toujours dispo, le pack de Sable Éternel, Raccoon City, les différents packs, ainsi que le nouveau Starter Pack, je vous le rappelle, et le petit club de Fortnite. Click ici justement pour visionner ma dernière vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous. Paix.